Mais quelle est donc cette ville où les enfants escaladent de curieux châteaux de bois et où un toboggan de plus de 30 mètres traverse une rivière? Ou une stèle nous rappelle tristement le bombardement de l'hiver 44-45? Et où une église du XIIIe siècle protège de ses hauts murs le monument funéraire du seigneur de la ville, Thierry II? Où repose au bord d'une paisible rivière, entourée de grands arbres, la tombe du premier soldat français tombé sur le sol belge, le soldat Henri Sebald, tué le 7 août 1914. Où chaque année, les passionnés de deux roues inscrivent à même le sol le nom de leur héros de la petite reine. Wallonie-Bruxelles Tourisme vous a présenté la ville d'Oufalize. Cette destination vous tente? Rendez-vous sur belgium-tourisme.be.